Salut à tous, c'est Olim, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars, et aujourd'hui on se retrouve pour les toutes nouvelles missions qui vont vous rapporter pas mal d'argent. Donc les gars, c'est vraiment le moment en ce moment faire ces missions parce que déjà vous avez le bonus x2 et ça c'est plutôt pas mal. Donc c'est à partir de maintenant, donc là ça a commencé hier. Je sais pas s'il y en a qui l'ont déjà fait dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire si vous l'avez déjà fait. En tout cas, nous on va tester ces missions, on va voir si ça rapporte vraiment. Et vous allez voir que vous avez des bonus en fonction de combien de véhicules vous rapportez par jour, etc. Donc vous prenez eh bien, tout simplement votre petite dépanneuse et vous faites voilà, lancer le service de remorquage. Et vous allez voir que vous avez vraiment pas mal de trucs à faire. Alors, sachez que si vous rapportez... Enfin, en gros, vous avez... Ok, donc là, récupérer le véhicule... D'accord, on peut récupérer. D'accord. On écoute ce qu'il dit. C'est illégal ou c'est légal? Ok, on est à côté, les gars. On est à 600 mètres. Ça va, on est juste à côté. Alors, sachez que si vous remorquez 4 véhicules par jour, vous allez compléter tout simplement la barre, une barre de niveau en gros. Et ça va vous ajouter des sous en plus. Donc en gros, disons que vous, en gros, chaque véhicule remorqué, vous pouvez gagner des points, si vous préférez. Des points que vous ne voyez pas, mais en gros, quand vous avez du coup récupéré 4 véhicules à la fin de la journée, eh bien, vous allez gagner un bonus en plus, les gars, un extra en plus, allant de, en fait, ça dépend de 400 à 480 000. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. En plus, là, vous avez le l'XP x2. Alors, reculer. Ok, c'est bon. Alors, j'ai récupéré le balleur. Ok, livrer le véhicule, le balleur à la casse. C'est plutôt pas mal. Moi, je trouve ça plutôt sympathique de la part de Rockstar de nous faire ce genre de mission. Ce genre de. En gros, le fait de livrer des véhicules comme ça, c'est pas mal. C'est dommage qu'ils nous ont fait ça un peu tard, je trouve. Mais en tout cas, c'est le moment, les gars. Si vous voulez faire un max de sous, franchement. C'est sympa, en plus ça vous permet de vous balader un peu dans la ville et tout. Et de tester une nouveauté qui est plutôt en vrai cool, tu vois. Moi j'aime bien les trucs comme ça, dépanneur et tout. Ça fait un peu penser au RP. Ceux qui ont fait un peu d'RP. Bah, vraiment ça me fait trop penser au RP. Alors on va voir si ça rapporte combien. Donc on rappelle. Et presque, on va préparer la casse. Et voilà, donc le paiement devrait suivre très vite. D'accord, ok. Donc apparemment, quand on livre, on est directement livré. Donc par contre, je sais pas comment ça se passe quand tu livres. Est-ce qu'il y a une animation ou pas? Là, on a récupéré un balleur. Bon, balleur, c'est plutôt pas mal. C'est un 4x4. Après, bon, le prix n'est pas ouf non plus. Ok, donc là, ça se passe comme ça. Ok. On va voir ce que ça donne, les gars. Alors, comment je me suis fait avec ce véhicule? Le casse, le démantelage pour récupérer des pièces détachées sur le balleur est en cours. Ok, donc là c'est là. Votre équipe va démanteler les pièces que vous avez rapportées. Jamel vous contraint une fois que l'argent de la vente des pièces détachées vous a été transféré. D'accord, ok. Bon, est-ce que je peux récupérer d'autres trucs en attendant? Ou pas? Je pense que c'est 4 véhicules, hein. On va bien voir ça, on va bien voir ça. Mais sachez que si vous avez rempli la barre des 4 véhicules, vous avez un bonus. Hein. N'oubliez pas ça, les gars. Un petit bonus sympathique. Alors là, il faut prendre une primo. Ok, primo. Ok, quoi, c'est pas un véhicule non plus 4. Enfin, c'est pas non plus un véhicule de ouf. Donc là, 2 km 58. Ça me paraît quand même... Ça va, c'est pas trop loin non plus. J'espère qu'il va pas avoir des trucs à l'autre bout de la ville aussi. Ça serait vraiment dommage de la part de Rockstar. De mettre des trucs genre à 1000 km. À part si ça rapporte gros, quoi. Vraiment. On a 2 km 18. Je sais pas exactement où est le point. On va pas regarder sur la map. Mais on va y aller directement, je pense. Mais je sais pas si par contre... Par contre, non. Je pense qu'on peut remarquer des véhicules comme ça dans la rue. Bon, après, vous pourrez pas les livrer comme parce que vous êtes hors de la mission. Rendez-vous à l'emplacement du véhicule primo. Donc là, vraiment, on va prendre la primo. Alors, après, il me semble que je sais pas si on peut acheter la dépanneuse comme ça et du coup lancer l'émission comme ça sans avoir
bien, tout simplement ce. Bah, tout simplement le nouveau truc, le nouveau bâtiment. On va bien voir ça. Bon, 700 mètres. Ça m'a l'air d'être à côté. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de dépanner, tu vois. Moi, j'aime bien dépanner, tu vois. Genre, vraiment, ça me fait trop penser au RP. C'est grave stylé. On va faire un nouveau métier, les gars. Nouveau métier avec la salle. On est dépanneur professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a comme véhicule? La Primo. Ok, bon, véhicule pas ouf. Est-ce qu'on aura la possibilité d'avoir des véhicules de luxe? Déjà, j'ai récupéré. Et vous avez récupéré le véhicule Primo, donc maintenant il faut aller le livrer. Par contre, je sais pas comment ça se passe si on fait un accident avec. Ok, ça m'a l'air de quand même bien tenir. Okay, donc en gros, faut tout le temps le livrer à la casse. Donc, ouais, comme je disais. Est-ce qu'on peut acheter la dépanneuse comme ça sans la casse? J'ai vu qu'apparemment dans la Newswire, alors attendez, je vais regarder la Newswire parce que je l'avais ouvert. Ouais, du coup, nettoyer les rues, améliorer vos résultats en utilisant les ascenseurs gratuits. Donc, c'est pas un de réputation pour transférer des véhicules via les services de dépannage. Cela renforce la réputation de votre boutique et augmente les revenus passifs. C'est ça que je vous disais, les gars, c'est les revenus passifs, c'est ça qui va vous permettre de gagner des bonus. En gros, si vous livrez plus vous avez de véhicules. Bah, récupérer, plus vous allez gagner des sous, plus vous allez gagner des revenus passifs, c'est ce qu'ils appellent ça. Et du coup, jusqu'au 24 janvier, les gars, bah vous avez des revenus en plus et vous avez les points doublés. Donc, n'hésitez pas à bien regarder. Si vous n'avez pas déjà fait, vous pouvez nanani acheter une dépanneuse 40% de réduction avec le membre GTA Plus ou via les options de personnalisation. Une fois que vous en avez un, montez à bord et sélectionnez Tow Truck Service. Voilà pour commencer l'émission. Si jamais vous savez pas comment on fait, et bah c'est comme ça qu'on fait pour vraiment lancer l'émission. Si jamais vous achetez la dépanneuse, alors je sais pas si on peut l'acheter comme ça, je l'ai pas trouvé, je sais pas si c'est sur quel site. Il y en a qui savent où c'est, vous pouvez dire dans les commentaires pour aider les autres. Bon, en tout cas, on va livrer notre deuxième véhicule, on va en livrer 4, je pense, pour voir si on a le bonus. Ah bah, il y a Jamel qui m'appelle. Ok, je sais pas c'est quand qu'on est payé par contre. Ça, je ne saurais vous dire. On va déjà livrer ça. Hop, deuxième véhicule. Let's go. Let's go. Vamos a la playa, amigos al paila. On verra bien combien de temps ça nous a mis. Genre là, ça fait quoi? 8 minutes qu'on tourne la vidéo à peu près. Et on a déjà livré deux véhicules. Ok, le démontage, je l'ai pour récupérer les pièces. Donc là, il y en a une, il y en a deux. Est-ce que je peux en reprendre une deuxième? Je sais pas du tout. Un peu de vie. Pour l'instant, j'ai pas d'informations. Okay, je vais aller voir en haut déjà. Et les dollars là, je vais récupérer les sous vite fait. Ouais, 7800, là, je vais les laisser. Ok, je vais les laisser. Alors, on va voir si on peut reprendre des véhicules. Ah, un peu. Ah, d'accord. Donc je peux prendre deux véhicules. Indisponible, tous les ponts et élévateurs sont déjà utilisés. Ok, tous les ponts utilisés. Reprendre la dépanneuse. Ah voilà, donc je me disais bien qu'on pouvait pas prendre d'autres véhicules. Donc peut-être qu'en fait c'est 4 par jour, mais il faut attendre qu'ils dépannent. Alors je sais pas exactement combien de temps ça met, c'est ça le problème. On n'a pas d'informations du tout là. Ça c'est les braquages. Ok, du coup, on arrive à la fin de cette vidéo, les gars. Alors. Pour ce qui est du comment avoir la dépanneuse, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé comment avoir la dépanneuse. Alors sachez, c'est uniquement les gars en ayant les casses. Vous pouvez pas autrement pour avoir bah, tout simplement bien la dépanneuse. Vous avez toutes les cases, donc vous en avez 5, vous en avez en haut, etc. En fait, c'est en prenant les options. Vous voyez, option dépanneuse là, dépanneuse ici. C'est uniquement ici pour les avoir. Et après, vous allez ici et vous dépannez tout simplement bah, les véhicules. Donc vous avez le droit à deux véhicules. Alors, le temps, je sais pas, parce que là, ça fait plus ou moins 30, 20, 30 minutes que j'attends. Et il n'y a toujours rien. Donc je ne sais pas exactement combien de temps il faut attendre pour relivrer d'autres véhicules. Je vous mets un petit tableau qui vous explique un peu combien ça rapporte. Tout ça, les coûts. Combien ça rapporte en gros. Mais sachez que plus vous attendez. Plus, eh bien, tout simplement, vous allez passer, enfin, vous allez gagner des sous. Donc, minute passée, 48, 0, 48 heures.
En fait, ça dépend. Voilà. Donc, je vous tiendrai au courant si jamais j'ai des nouvelles dans la prochaine vidéo concernant combien ça m'a rapporté. En tout cas, n'hésitez pas à dépanner le véhicule parce que c'est x2 en ce moment. Et n'oubliez pas que vous avez des extras si vous en livrez 4 par jour. Donc, normalement, je pense qu'on peut en livrer 4 par jour, peut-être. Voilà.